Ah, c'est ça. En gros, normalement, tu es en isolement si on attend d'être dépisté. Si on attend d'être dépisté car on est identifié comme une personne ayant été en contact avec un malade, ce qui est le cas. Et surtout, j'étais pas du tout protégé, quoi. C'est ce que dit Rémi, c'est qu'on a été avec elle et on n'était pas du tout protégé, en fait. Oh, c'est chaud, ça. C'est chaud. Ça pue du cul. Oh, les jeux qui sont trop forts, baisez vos mères. Pourquoi ça marche pas? Je suis obligé de réactualiser. Je suis désolé. Ah, je suis pas bien là. Je suis pas bien parce que. Je le sentais grosse comme une maison, l'histoire du Covid au Nouvel An. On a quand même pris des précautions, mais tu vois, j'étais là en mode. Et même moi, en fait, je voulais vraiment pas y aller parce que j'ai été qu'à contact avec le taf. Et en fait, le truc, c'est que ouais, je voulais pas y aller à cause du fait que j'étais qu'à contact avec le taf et tout. Sais pas ce qu'elle a, ma manette. On va retirer 5 verticales parce que ça bug la plupart du temps. Ok. Non, s'il vous plaît. Putain, je peux rien bouger! Bah ouais, bah oui, je veux quitter, connard. Ok. Nouvelle partie. J'ai envie de jouer en vétéran. Mais j'ai vu que le gameplay allait me faire chier dessus. Un jour recommandé. Je regretterai peut-être. Oh! Où suis-je? Je me souviens plus de rien. Je devrais jeter un œil aux alentours. Oh. Prends l'objet. J'ai parvenu à effacer la mémoire du sujet, mais le mélange de cerveau ne se déroule pas comme prévu. Je réessayerai avec une substance plus toxique la prochaine fois. Je n'ai jamais vu ces signes auparavant. Comment puis-je les lire? Attendez. Là, j'ai une potion de soin, une potion de mana et un radis. Waouh, qui est là? Oh non, quelqu'un d'autre a été invoqué. Qui êtes-vous? Où sommes-nous? Calme-toi, s'il te plaît. Permets-moi de me présenter, je suis Béatrice, gardienne des ruines de ce château. La gardienne? Oui, ce château est aussi la prison de la ville Ténébria. Et les gardiens sont chargés de protéger cet endroit depuis des générations. Ténébria? Ces fidèles invoquent des personnes venant d'autres mondes afin de briser le sceau. Vous voulez dire que je viens d'un autre monde? Exactement. Tu ne te souviens de rien de l'endroit d'où tu viens? J'ai quelques souvenirs furtifs, mais je ne me souviens pas de grand-chose. Le rituel d'invocation a peut-être provoqué une amnésie temporaire. Je ne me souviens même pas de mon prénom. Nous devrions poursuivre cette conversation dans un endroit sûr. Continue tout droit jusqu'à ce que tu trouves un camp. Je t'emmènerai au camp. Ok. Alors c'est un jeu effectivement avec des waifus. Et en vrai, le jeu est très très cool. Hein. C'est le chara-design un peu waifu n'est pas du tout négatif au jeu.
Tedak. On peut mettre des repères, c'est intéressant. D'accord, donc si je trouve un autre portail, je pourrais le... Graphiquement, c'est très beau. Message smartphone. Il y a des monstres verts partout. J'essaye de les éviter, mais ce n'est plus une question de temps avant qu'ils ne me trouvent. Je veux rentrer chez moi, manger les bons petits pas de ma maman. Et je n'arrive pas à me souvenir d'où j'habite, et du goût de la nourriture. J'ai même oublié le visage de ma mère. Que m'arrive-t-il? Oh, attendez, attendez, attendez. Oh, oh là là. Oh, c'est le cancer. Il y a quelqu'un? La peur de ma vie, pourquoi m'a-t-il foncé dessus comme ça? Aurais-je fait quelque chose qui l'a enfoncé? D'accord. Je comprends pas. Ok. Comme si c'était un truc pour... J'ai dû faire plus attention. Des pics aiguisés ont surgi du sol à travers ces trous et ont bien failli m'embrocher. La blessure n'est pas hyper profonde, mais ça ne m'arrête pas de saigner. Si ça continue, je vais vider de mon sang. J'ai déchiré les parties de mes vêtements pour essayer de bander la plaie. Mais ça n'a pas suffi à arrêter le saignement. Je dois trouver un moyen de soigner la blessure. Un cul-de-sac. Il y a bien un passage où je pourrais me filer, mais je ne pourrais pas passer entre les pics pointus qui ont jailli du sol. Si je retourne sur mes pas, il y a fort à parier que je tombe sur les griffes des montagnes vertes. Que faire? Devrais-je prendre le risque de ramper jusque de côté à travers cette ouverture? Ok, c'est pas si facile que ça en vrai. Ok. Attends, je comprends pas. Ok. D'accord. Et là, est-ce que je peux aller par là? Non, ça a pas l'air d'être le cas. Les sauts sont agréables en fait, il y a un contrôle des jumps qui est assez cool, mais après pour le... Attends quoi? Attends, c'est... Nice. Oh la vache. Je n'arrive pas à franchir cette palissade, elle n'a pas l'air très solide, mais je ne peux pas la briser à main nue si seulement j'avais des outils. Ok.
Après, je peux descendre et aller à droite. Nice. Ok, je peux pas passer par là. Attendez. Ok. Ah là. Ah non. Je crois que j'ai niqué une baguette de feu, ça aurait pu être utile. Ok. Attendez. On a des nouveaux trucs. Équipé. Comment on s'en sort? Ah, j'ai que deux sorts. Attends. T'es un troller. J'ai acheté le jeu parce que y a des petites filles en jupe. Voilà. Putain. Frère, si j'active le levier, c'est pour qu'il reste activé. Non, mais putain, fils de pute. Oh, je pensais... Ma vie est nulle. Ah, il y a un passif d'être mouillé. Ah, ma vie est vraiment naze. Oula. Dès que ma main est entrée en contact avec la substance verte au sol, j'ai senti mon corps s'enflammer. C'est hautement empoisonné. Il y en a trop pour la contourner. Je dois trouver un moyen de m'en débarrasser. Si je pouvais allumer le feu pour essayer de l'embraser, mais je n'ai aucun outil à portée de main. Je suis une salope. Oh, ça dure super longtemps. Te voilà. Une étrange créature toute verte m'attaquait sur la route. C'était sûrement un gobelin. Je pensais les avoir tous tués, mais ils n'arrêtent pas de revenir. Mais ne t'en fais pas, tu es en sécurité ici. Faisons un tour dans les environs. Un tour des environs. Oh, c'est un distributeur. Quoi ? Elle dit quoi ? Je peux le temps bien. C'est un distributeur, je sais pas quoi. C'est une machine créée à partir d'une magie ancienne. Tu peux mettre de l'argent dedans pour acheter ce dont tu as besoin. Je vais te donner un peu d'argent et essayer d'acheter quelque chose. Oh, merci. Oui, de l'or. Un arc.
Une baguette de feu. Alors, j'ai envie de go... Oh la hache. Ah mais c'est vrai que... J'aurais peut-être dû viser l'armure aussi. Ok. Beido. On dirait un ordinateur, mais il n'est pas comme ceux que je connais, l'écran est vraiment très épais. Ces objets peuvent te sauver la vie. Je ne sais pas comment ça s'utilise. Une idée ? Ok. Ok, d'accord, madame. J'ai compris. Ah, ça c'est un portail, comme celui que tu as dû voir près de l'endroit où on s'est rencontrés. Tu peux... Putain, mais ça... Tu peux les utiliser ? J'ai pas vu la suite. Genre, si je fais ça... Ok, je peux me TP. Il n'y a-t-il aucun moyen de retrouver mes souvenirs ? Laisse-moi y regarder de plus près. Je vois tes souvenirs ont été scellés lors de ton invocation. Qui plus est, tu aurais dû subir un lavage de cerveau, mais on dirait que ça a raté. Si ça avait réussi, alors qu'il est, tu ne serais plus qu'un sacrifice destiné à invoquer Ténébria. Et savez-vous comment faire pour briser ce sceau ? Comme ce sont les fidèles de Ténébria qui ont scellé ta mémoire, le plus logique serait de les retrouver et de les vaincre. Ça me semble très dangereux. Que se passerait-il si je tombe sur d'autres bonhommes verts ? Lorsque tu as été invoqué, tu as reçu un grand pouvoir. Tu n'as pas trop de difficultés à te débarrasser de ce gobelin, n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'avec un meilleur équipement, tu t'en sortiras très bien. Vous pensez ? Mais comment trouverais-je les fidèles de Ténébria ? Les fidèles de Ténébria détiennent un immense pouvoir magique. Tu le sentiras quand tu t'en approcheras. Ne sens-tu pas quelque chose maintenant ? Je ne suis pas sûr, mais j'ai l'impression que oui. On dirait que ça vient d'en dessous. L'une des fidèles doit se trouver dans les canaux souterrains. Tu devrais être capable de mettre la main dessus si tu t'y rends. Ok. Mais... Très bien. Des zombies partout, j'ai couru pour les éviter, mais voilà dans un cul-de-sac, c'est un regrouille de zombies, comment je vais faire pour le franchir ce mur ? J'ai pris vachement de dégâts, c'est quoi ces conneries ? Oh trop bien. Oh, j'ai juste à me baisser quand il tirait. J'ai une salope. Oh ! Il m'a pété à la gueule ! Attendez. Merde. Oh merde. Est-ce que je tenterais pas de le...
Attendez. Ah, c'est pas un problème de marcher dedans. Oui, moi je suis toujours à la tête des zombies parce que on m'a toujours appris de faire ça. Putain, mais c'est chaud en vrai, t'as pas de heal. J'ai pas de zone de heal. Ah, donc là en gros j'ai un endroit à péter avec la dynamite. Ah, il y a un endroit à passer à gauche. Yes. Oh yes, du brocoli. Est-ce parce que tout un Coca-Cola. Hey, est-ce que tu peux m'aider? Comment ça se fait que je peux voir à travers ton corps? Tout va bien? Que t'est-il arrivé? Je ne m'en souviens pas, mais je pense qu'il m'est arrivé quelque chose d'anormal. Comment te sens-tu? Je dois aller à l'intérieur. Est-ce que quelque chose peut te guérir à l'intérieur? Je ne sais plus, mais j'ai la conviction que c'est là que je dois aller coûte que coûte. Malheureusement, la porte est verrouillée. On dirait qu'on a besoin d'une clé pour l'ouvrir. Je vais la chercher. Ok. On a une quête. Ça fait quoi cette merde? Oh. Frère, c'est trop dur. Attends. En fait, je suis obligé de bouffer. Oh, une dynamite. Tellement worse d'avoir recommencé. Ah non, je voulais sauter et faire... Brah. Putain, mais c'est trop dur! Ok, j'ai compris. Je pense que je les cancel quand je les frappe. Est-ce que c'est pas possible de les esquiver en fait? Oh, des gold, je m'en bats les couilles, frère. La dynamite, c'était trop bien. Mais putain! Oh la longe, j'ai à chier! Frère, je suis obligé de passer par là, comment je fais? Et un brocoli. Oh, j'ai oublié. Quoi? Je suis mort de quoi? Gros, je me fais karma, je meurs de quoi, wesh? Help.
Fibolos. Et le feu. Attends, dégrouiller physique 2, saignement 3, dégâts critiques. Mais en fait, je vais faire mes sorts, hein. C'est quoi ça déjà? Le jeu me laisse vraiment pas. Oh, on va la jouer salope, hein. Ok, note à moi-même, c'est une énorme connerie ce que je viens de faire. On retire. Quelque peu créer un génocide sans faire exprès. Ok. Qu'est-ce que je défais? Je te déteste, je ne peux plus jamais te voir. Oh, il y a un bouclier. Espadon. 14 de dégâts, 200. Pouah, ça va être boy, hein. La porte s'est ouverte. Arrive du cul. Ah, je me souviens maintenant. J'étais avec mon ami, mais on s'était chamaillé pour quelque chose de vraiment stupide en plus. On s'est séparés, c'est alors que j'ai été attaqué par des limons. Et je me suis retrouvé comme ça. Merci de m'avoir aidé. Si tu trouves mon ami, pourrais-tu lui dire que je suis désolé? Elle s'appelle. Je me souviens, l'ami s'appelle l'ami. Si tu la vois, essaye de l'aider, elle a des cheveux verts avec des couettes. Au revoir. Ma tentative de générer une relation dépendante chez les deux sujets en vue de mieux les contrôler s'est avérée prolifique. Il serait peut-être sage d'essayer de les monter l'un contre l'autre pour tester la solidité de leur relation. Oh, c'est trop bien ça. J'ai l'impression que quand ils sont morts, hein, les ennemis. Mais on va par là. Au secours. Ok.
Oh, oh le fils de pute. Ok. Ah, sans les bottes, je peux plus faire de roulade dans les airs. Les couilles. Ah, les vieux slimes de mort là. J'ai constaté que la relation entre les deux sujets n'était pas aussi forte que je l'espérais. Il fut incroyablement aisé de les briser leurs liens, simplement en les confrontant à les vieux problèmes. Quelle incroyable énergie j'ai gâchée au développement de ces pitoyables effigies. Il y a sûrement une méthode plus rapide que celle-là. T'as vu ce pixel parfait? Ah, il va me casser les couilles, lui. Au secours. Casse-toi, casse-toi! Oh, il m'a enculé. Ok. Oh, c'est quoi ça? J'ai peur. Oula. Oula. Putain, ta mère la pute, faut vraiment que je recommence tout. Ok. Il y avait pas un truc qui régénère la vie des PM? Ça c'est bien ça. Ok. Bon, de toute façon l'araignée... Ouais, triste. À mon avis c'était la meuf aux cheveux verts, c'est celle qui s'est fait bouffer. Elle s'est fait baiser. Oh, je l'ai enculé. Je suis gouré de... Ok, nice. Oui, un champion. Je peux pas avancer.
Ah! Attendez. Purificateur. Je peux pas mettre plusieurs trucs. Ah ouais, non, c'est de la merde. Ouais, c'est ça, elle m'a brain en moulouk, la connasse. Ok. En théorie, on avance. On avance. Putain, il y avait... Oh le bordel. Est-ce que les zones violettes, c'est des zones safe? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que j'aurais dû avoir le seum parce que... Oh, ouf. Attendez, attendez, la strat. C'est totalement la strat. Ok. What? Oh, faut pas que je la laisse frapper. Oh, elle m'a mis une bastos. J'étais pas prêt. Attendez. C'est là c'est là d'où je viens. Putain. Ok. Alors, si on peut éviter de prendre des coups bêtement parce qu'on est nul. On va ramasser le brocoli. Ça va faire chier mon directeur cette histoire, je pense que je suis qu'à contact comme ça. Mais bon, c'est pas de ma faute, mais... Attendez, je lui ai donné un coup, il s'est passé quoi? Vraiment, hein, je veux... C'est moi j'ai raté ou il s'est passé un truc genre j'ai eu l'air con? Ok, pas les couilles. Alors on se barre. Je suis pas ralenti par l'eau donc j'ai aucun intérêt à rester. Ça va être compliqué ça. C'est moi passé. Ok. Je joue tellement avec le feu, c'est un truc de fou.
Je suis là avec mon caca en mode... Connasse. C'est bien une pomme. Comment on fait ? Comment on fait ? J'ai pris des dégâts. Non, j'ai pas pris. Oh, on prend pas de dégâts de chute. Oui. Merde, c'était pas le bon sort. Oh, si, on a un autre. Ok, nice. Attends, mais ça... J'allais dire ça, ça se tue ça. On dirait que les limons m'aiment bien. On a apporté de la nourriture et on fait fuir les zombies. J'avais peur de me retrouver seul après m'être séparé d'elle, mais je suis contente que les limons soient avec moi. Quoi, quoi, quoi ? C'est chiant. Attendez, parce que... En fait, j'arrive pas à comprendre. Là, j'ai message de smartphone, la requête d'un fantôme, journal de l'ami. Là, j'ai des journaux. Ok. Béatrice, attention. Oh, vous avez peur? Pourrez-vous éviter d'apparaître subitement comme ça? Je sens une puissance aura, une puissante aura par là-bas. L'une des fidèles de Ténébrière, responsable de ton invocation, est proche. Veille à être correctement préparée. Et voilà, reparti. Elle m'a même pas laissé le temps de répondre. Et j'arrive pas à comprendre cette histoire de préparation. Comment tu te prépares, en fait, à part te faire enculer ta mère, frère? Oh, je suis une salope. Non mais... Oh, j'ai envie de die. Je peux pas tirer en l'air? Comment on fait? À mon avis, il me faut des armes de jet. C'est que si je descends là, je crois que je peux pas remonter. Hein.
que je prends un arc? T'es sûr en fait? Pourquoi j'ai pris ça? Ah, la dague là, elle est pas mal. Hein. Après. Putain, je suis vraiment une merde. Mais putain! Ah, mais je suis pas allé nulle part en vrai, what the fuck? Putain, ma bite! Par là. Hein. Est-ce qu'on est bien préparé? Non. Est-ce qu'on va quand même y aller? Oui. Ok, c'est parti. Mais... on m'a trollé en fait, c'était... Je suis fait trollette, c'était pas par là. Yes. Mourez là. Attendez. En fait, là, je suis obligé de tomber. Héroïne, bonjour. Salut. Tu portes les vêtements que moi, tu as été invoqué toi aussi? Oui, nos vêtements sont identiques. Tu veux être mon ami? Ton ami? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu te souviens de quelque chose avant ton arrivée ici? Peut-être qu'on se connaissait. Oh, des limons. Attention. Alors, on va équiper cette merde. Pfiouf, c'était moins une. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi tu fais ça à mes amis? C'est les monstres, tes amis? Tu n'es pas sérieux, ce sont des monstres. Tu as tué mes amis. Meurs, 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 meurs,
Mes frères, laisse-moi t'approcher. Laisse-moi t'approcher, là. Ok. Actuellement, les limons, je vous jure que je ne... Oh, je suis pas équipé du bon stuff. Je viens... Non, tue-moi, s'il te plaît, tue-moi. Connasse. De s'être pas équipé du bon stuff, putain. Grosse conne. Ah, se garder pas mon stuff. Oh non. Oh non, mais non. Ta gueule. Vas-y, tuez-moi, s'il vous plaît. Allez, on en finit rapidement. Ça me casse les couilles. Le jeu, ça me saoule. Le menu est mal fait. Oh, ta gueule. Mes frères, j'ai moins d'allonge, j'ai moins de vitesse d'attaque, j'ai moins de tout. Bah attends, mais on va... Je vois pas, en fait. Genre, vraiment. Putain, ah, il voulait pas lancer son sort. Ah non, j'ai perdu trop de vie. Vas-y, tue-moi, s'il te plaît. Putain, vas-y. Ah, mais... Please, s'il vous plaît. Je vais die. Je vous jure, je vais... Ah, j'ai reperdu de HP, j'ai pas envie de mourir. Tue-moi, s'il te plaît. En fait, il veut pas lancer son sort électrique. J'ai un temps d'attente, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je... Ouais, t'es gueule. Vas-y, ça m'amuse 2 secondes, ta merde, là. Allez, dégage. Ça me merde, va. Quoi ? Des gros boobs, là. Attends. C'est la S. Non! C'est quoi, connasse? Ok. Faut que je prenne la... En fait, quitte à être slow, je prends l'amulette, en fait. Vraiment. Connasse. Ok, les gros boobs. On se rappelle.
Attends. Connasse, va. Allez, boum. Les gros tétés là. Je me demande si elle va bien, mais c'est une peste, elle me manque pas du tout. Mes seuls amis maintenant ce sont les limons. Ta mère. Je peux pas sortir d'ici si on repart. Oh, c'est vous, connaissez-vous un moyen de sortir d'ici? Une seconde, je vais t'aider. Pour moi, elle, c'est une connasse, mais Est-ce que la personne que je viens de combattre était une fidèle de Tenebria? Oui, son pouvoir était incommensurable, mais tu l'as battue. Je suis très impressionné. Elle portait les mêmes vêtements que moi. Pensez-vous qu'elle aurait aussi pu être invoquée? Elle s'est changée en énorme monstre à la fin, non? Oui. Au début, elle avait l'air humaine et nous avons pu parler. Mais après, elle s'est subitement changée en énorme monstre. C'était la véritable apparence du monstre. Il n'a fait que se déguiser pour ressembler à une humaine. Il a sûrement tué cette fille qui l'a invoquée et volé ses habits. Oh, je comprends maintenant. As-tu retrouvé de nouveaux souvenirs? Je ne sais pas. J'ai l'impression que quelque chose est sur le point de me revenir. Peut-être que vaincre une seule fidèle n'est pas suffisant pour briser le sceau. Je vais devoir combattre d'autres horribles monstres. J'en ai bien peur, mais le sceau a sans aucun doute été affaibli. Si tu parviens à vaincre tous les fidèles, ta mémoire reviendra. Arrives-tu à sentir où sont les autres fidèles? Je ne suis pas sûr. Je pense que je sens quelque chose dans les étages. Il y en a sûrement un dans le château. Ce chemin y mènera, j'y retourne au camp pour l'instant. J'ai pas confiance. Putain, je me suis fait violer, hein. En fait, c'est pas un Metroidvania comme on a l'habitude. Halte là, manante. Bonjour. Une chance que j'ai jeté halte avant que tu ne t'aventures sur ce chemin semé d'embûches. Semé d'embûches? Bien sûr, une fois l'âme corrompue par le mal, jamais plus elle ne peut rejoindre la lumière et suivre la voie du chevalier. Le mal séduit même le paladin le plus avisé. Ainsi notre bras doit triompher contre les forces du mal. Mais comment pouvons-nous gagner contre l'effort du mal? L'âme pure doit d'abord faire fi de ses désirs primitifs. Ses désirs primitifs? L'avidité, convoiter ce qui appartient au lui. Voilà qui s'en conteste, pervertit âme après âme, ad vitam aeternam. Ah, j'ai amassé pas mal de choses depuis qu'on est arrivé ici. Est-ce que ça veut dire que mon âme aussi a été corrompue? Manante, as-tu sciemment tenté d'ouvrir un moule coffre doré et convoiter de tes doigts cupides leur inestimable trésor? Des coffres dorés? Je ne pense pas avoir ouvert des trucs comme ça. Ainsi soit-il, ton âme peut-être encore être sauvée. Mais si ta route croise celle d'un coffre doré, garde-toi à succomber à l'avidité et fuis vers la lumière de la pureté. Ces trésors tenteront d'altérer ta piété, mais toujours en ton cœur doit demeurer la vertu. D'accord, je serai prudente. Le ciel soit laid, n'ouvre jamais de coffre doré. Oh, le jeu, il me demande de pas ouvrir un coffre doré, là. Mais frère, les coffres dorés, c'est des loots. Idiot, tu oses t'enfuir. Ah, merde. Tu me donnes l'eau à la bouche, miam.
J'ai l'impression de me faire baiser. Et comment on vend ? Ah. Attends, trier. Bouteille, fiole, fiole, baguette. Ça, on va garder tout ça. On a le choix entre dagrouiller, c'est vraiment de la merde. On va virer. Couteau de cuisine. On va garder la couteau de cuisine. La hachette, on la garde. L'arc, on garde. À une main, 50%. Ah, c'est pas mal ça. Gants en cuir, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut pas vendre un truc genre. Brocoli. C'est pas mal en vrai, hein. Ok. C'est pas mal. Il est quelle heure ? Il est 1h du mat. Moi, je vais me coucher. Attendez, je vais me coucher. Ah, quand je fais un alt tab, le jeu, il aime pas. Hein. Attends, je voudrais regarder sur un truc. Ok, attendez. Ah oui, donc en fait, les coffres dorés donnent de l'équipement, mais tu peux faire la quête pour éviter d'en avoir, quoi. Après, ça augmente la difficulté du jeu, quoi. Parce qu'en fait, tous les équipements, tu peux plus les avoir.
Je suis en train de lire forum en anglais. Je sais pas, en termes de succès par rapport au coffre doré. Je sais pas du tout. Ah ouais, putain, mais attends, mais c'est un jeu où il y a des succès à tryhard. Oh là là, les succès, ils sont horribles. Ah, ils sont horribles. Ah ouais, il donne un équipement de une runestone équipement, je sais pas ce que c'est. Le G3 que j'ai vu, en gros, il donne une orbe de magie. Ah ouais, donc en fait, oui, ça donne quand même pas mal de stuff, les coffres. Ça a l'air pas obligatoire. On peut le faire sans. Ça serait rigolo d'essayer de le faire sans. Ça serait rigolo. Il y a combien de critiques le jeu? 91. 90. Bon, c'est pas encore assez haut pour Wolf, j'imagine. Bon, moi je vais vous laisser. Faut que j'aille vraiment me coucher. Je suis mort. Et bisous tout le monde! Bonne nuit. Et bon voyage, Wolf. En espérant que tu rentres bien. Et qu'il n'y ait pas de soucis sur le chemin. Je penserai à toi. À ton petit voyage. Je sais pas c'est qui m'envoie de la merde. De rien, mec. De rien. Bisous, bisous.